Salut tout le monde, alors on se retrouve pour mon haul de juin. Alors ce mois-ci, j'ai été un petit peu plus raisonnable que les mois précédents. J'ai fait un petit peu moins d'achats. Ma dernière commande a été passée le 10 mai et depuis j'ai juste craqué chez Stokomani, donc je vous montrerai tout ça. Donc on va commencer par justement ma fameuse commande du 10 mai, c'était chez Sephora et j'ai pris... Attendez, je vous ouvre le coffret. Hop, cette fois-ci c'était vraiment pas trop mal emballé. Donc j'ai pris la nouvelle palette de chez Natasha Denona. D'ailleurs je vous mettrai par là le test de cette palette avec les comparaisons. Donc j'ai fait pas moins de 15 comparaisons de cette palette avec des palettes que j'avais dans ma collection. Vous verrez donc ce que j'en pense. Et si vous avez les palettes que je vous ai citées, vous n'avez pas forcément besoin de l'acheter. Je vous spoil pas parce que si vous suivez ma chaîne, vous l'avez déjà vu. Mais honnêtement, cette palette, je la trouve décevante. Ensuite, dans mon colis, j'ai eu 3 échantillons. Donc, échantillon du Even Better Clinical. C'est un sérum avec un SPF 20 pour le teint. Enfin, fond de teint, sérum de teint, fond de teint sérum. Un fond de teint associé au pouvoir d'un sérum, la couvrante parfaite d'un fond de teint. La couvrance parfaite d'un fond de teint au pouvoir transformateur d'un sérum. Texture légère, couvrance totale et modulable, finie satinée, effet seconde peau. Neutral. CN52. Alors si c'est la même couleur que sur le pot. Alors ça convient au pot mixte à grasse. Donc ça je pense que ça pourrait être pas mal pour ma peau. Mais je pense que vu la couleur, c'est assez... ça conviendra pas trop. Ensuite j'ai une base hydratante de chez la marque First Aid Beauty, un petit échantillon, et de chez Clarins le Nutri Lumière Jour crème revitalisante lumière. Donc. Des petites étiquettes et j'ai eu le tote bag de chez toujours Sephora, c'est pour la fête des mères. Alors j'aime bien ces sacs. Du coup, moi j'en ai toujours un dans ma voiture parce que ça dépanne. Donc celui-là, il ira rejoindre l'autre dans la voiture. Après, il y a un sachet anti-dessiccation. Donc ça, à pas laisser traîner, ni pour les enfants, ni pour les animaux. Faut éviter qu'ils mangent ça. Voilà, comment il est. Il y a marqué MOM dessus. Hop, voilà, donc ça c'était mes achats Sephora. J'ai juste pris cette palette. Alors, elle était à 69€ et il y avait les G25 FDM qui donnaient... moins 25% sur l'achat, sur le prix de la palette. Donc du coup je l'ai autour de 52€ je crois. Ce qui reste cher pour la qualité de cette palette. Ensuite j'ai fait une commande chez Colourpop. Enfin ça fait un moment que je l'avais fait. Je crois que j'ai fait en avril, je sais plus. Enfin bon, donc j'avais une commande chez Colourpop et une commande chez Look Fantastic. Tout est là-dedans, donc sur le dessus c'est ma commande chez Look Fantastic. Alors j'ai... Chez Sephora il y avait eu les moins 25% sur la palette Too Faced. Que vous allez voir ensuite parce que du coup j'ai pas encore filmé l'autre partie, donc vous la verrez ensuite. Et donc ce jour là j'ai commandé en même temps chez Look Fantastic, puisqu'au départ cette palette, c'était pour avoir cette palette là, la The Natural Nude de Too Faced, donc je pense que voilà, c'est pas une nouveauté, et elle était à 31€ sur Look Fantastic, alors que avec le code promo chez Sephora, puisqu'il y avait moins 25% sur Too Faced, elle passait à 33 ou 34. Donc voilà comment elle est. Bon, c'est une palette de nude très classique. En passant, je vais mettre ma palette Orgie en vente sur Vinted parce que j'ai trop de palettes de nude. Elle est neuve, je l'ai pas utilisée, comme il n'y a pas de lumineux dedans, je la garde pas. Donc je pense que je la vendrai dans les 40€. Petite publicité. On revient à nos moutons. Donc 31€. Et en plus, il y avait le mascara Dame Girl avec, qui était vendu avec, en cadeau. Et comme je n'avais pas les frais de port gratuits et que j'avais envie de tester le fond de teint de Too Faced, j'ai craqué pour le fond de teint vendu chez Way en teinte ivory. Je ne sais pas du tout si c'est ma teinte. J'ai essayé de prendre une teinte claire en me disant que il y avait plus de facilité à foncer un peu un teint un peu trop clair qu'à par rapport notamment à la couleur du cou, qui est souvent très pâle.
Voilà, ça ferait à peu près plus raccord avec du clair qu'avec un fond de teint trop foncé. Donc c'est voilà, c'est la teinte Ivory que j'ai pris. Je ne l'ai pas encore testé, je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'en ai d'autres à utiliser avant. Donc je ne vais pas non plus le swatcher. Si j'ai l'occasion, j'irai le swatcher en magasin maintenant que les magasins ont ouvert. Et donc ce fond de teint sortait à 26€. Il était aussi en promo. Voilà, comme j'avais vu de bons avis sur ce fond de teint, j'ai eu envie de le tester. C'est pas une nouveauté, bien entendu. Et pareil, il était également vendu avec le mini mascara Dame Girl. Donc, je trouvais qu'au final, c'était intéressant. Ça a mis par contre super longtemps. Je crois que ça a mis quasiment 15 jours à arriver ma commande. Mais je suis bien contente d'avoir fait cette commande. Et surtout, c'est arrivé en bon état. J'avais un peu d'appréhension. Ensuite, ma commande, enfin ma commande Colourpop. C'était, qu'est-ce qu'il y avait comme promo? Il devait y avoir une promo quand j'ai commandé, parce que sur Colourpop, je commande toujours quand il y a des moins 25, entre moins 25 et moins 30%, sinon je commande pas. Donc, j'ai pris le produit de For Red Beauty, donc la marque sœur de Colourpop, c'est le Kiss and Tell Lips Patch. Je trouvais le concept assez rigolo. Donc, en fait, ce sont des patchs pour les lèvres. Donc s'ils ont la même taille, ça va couvrir. Par contre voilà, je vais pas l'ouvrir parce que je vais pas l'utiliser tout de suite. Mais je trouve le concept pas mal. Et en plus ils fournissent avec une petite pince pour attraper les patchs. Alors c'est à base de quoi? C'est à base d'extrait de pêche, d'acide hyaluronique et d'eau de coco. Donc tout ça c'est pour hydrater et adoucir les lèvres. Et ah, est-ce que j'ai les totos? Non, j'ai pas les prix. Je crois que ça coûtait autour d'une douzaine d'euros. Non, 16$ je crois que ça coûtait. Ensuite, on va passer aux palettes. J'ai pris la Wine and Only. Toujours de chez Colourpop. Ben oui, je présente combinaison de Colourpop. Des fois. Alors, elle est comme ceci. C'est une palette de rouge bordeaux. Voilà comment elle est. Donc je pense que si je garde celle-ci, et je pense que je vais garder celle-ci, je vais revendre ma Huda Riche. Parce que je pense qu'en termes de color story, elles sont assez proches. Et comme je porte pas forcément les fards Huda dans mon cœur, même si la Riche est une bonne palette, je pense que du coup je ne garderai que celle-ci et que je vendrai la Riche. Alors celles-ci, elles sont à 14$, mais il devait y avoir une réduction parce que voilà, je sais plus combien c'était. C'est pas marqué sur le bon. Je crois que c'était moins 25 ou moins 30. C'était un code promo spécifique qu'ils nous envoyaient par mail. Il fallait le taper pour bénéficier de la promo. Donc je crois que c'était moins 30 ou moins 25. Ouais, bon. Ensuite j'ai pris la Huhu Honey. Qui est pareil, c'est une ancienne palette. Mais c'est une palette de jaune. Je me suis dit, bah tiens, c'est vrai que t'as pas de jaune dans ta collection. C'est vraiment du jaune. Alors certains pourraient dire qu'elle ressemble à la Naked Honey. J'ai pas la Naked Honey. En fait, j'ai la chérie, je crois. Et c'est la seule Naked que j'ai, puisque j'ai revendu la 1 et la 2. Et ensuite, j'ai pris la Wild Child. Alors, sachant qu'il y avait une promo, la Wild Child et la Vine étaient vendues ensemble. Et du coup, je crois que ça faisait, par rapport au prix, si on achetait les deux palettes séparément, je crois qu'il y avait 2 ou 3 dollars de différence. Et celle-ci, c'est une palette plutôt chocolat. Je trouve que ça va peut-être un peu duper les dernières Huda qui sont sorties. Donc on est sur du brun un peu foncé. Donc elle est super jolie cette palette. J'aime bien ces formats là parce que avec 9 couleurs, bon même si c'est assez monochromatique, on peut quand même faire différents looks. Mais le mieux c'est peut-être de les combiner. Au moins c'est facile, enfin voilà, si on a besoin d'une couleur en particulier, je trouve que c'est pratique, on sait que ben, dans telle palette c'est du jaune, dans telle c'est du bleu, dans telle c'est du vert. Et pour finir, j'ai pris de la collection Lizzie McGuire le Bubble Gum Pop, donc c'est un gommage pour les lèvres. Donc c'est bien parce que j'essaie de terminer mon Lush qui est à la même odeur. Je l'ouvre pas et je mets pas mon doigt dedans pour le moment puisque j'ai pas encore terminé mon Lush, mais quand j'aurai fini le Lush, celui-là il remplacera et il a la même odeur. Donc ça c'est très bien et ça coûtait, je crois que c'était 9 ou 10 dollars. Et enfin j'ai pris un Super Shot Highlighter de la collection Candy, le même que la palette Cloud Spun Candy je crois, ou Cloud
jaune, je sais plus, enfin la palette dans les mêmes tons là, qui est une déclinaison. Il y en a deux, il y a la bleue et la rose, donc la déclinaison rose que j'avais pris lors du Black Friday. Et du coup, voilà comment se présente l'highlighter. Je sais pas si vous verrez. Donc c'est plutôt un highlighter dans les tons ben rosé, enfin argenté rosé. Ouais, je trouve le packaging sympa, ça change un peu des Super Shock Highlighter dans les petits pots. Donc voilà, ça c'était ma commande Colourpop. J'essaie de me raisonner, là par exemple il y a deux ou trois collections Colourpop qui sont sorties et surtout je n'ai pas craqué. Il y avait la collection, la dernière, alors collection d'été qui me faisait bien de l'œil. Mais j'ai regardé un peu mes palettes et je me suis dit, non mais t'as déjà toutes ces couleurs dans différentes palettes, donc sois raisonnable. Ne craque pas. Donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite on va passer à des achats que j'ai fait en magasin. Ouhou, ça change. Oui, les magasins ont rouvert donc. Alors on parle à la part en pharmacie Leclerc, bon elle n'est pas fermée. J'ai pris de chez La Roche Posay la brume Antelios XL. Donc c'est une brume invisible avec un SPF de 50 qui fait UVB et UVA. Donc en fait l'objectif c'est d'utiliser après ma brume fixatrice de maquillage, de pouvoir mettre ça quand je suis maquillée, donc pour fixer mon maquillage, pour mettre une protection solaire, parce que c'est vrai que la crème solaire en ce moment en plus avec ma peau c'est pas forcément très bien. Alors ma bébé crème a un SPF, mais un SPF de 35, donc ça c'est pour venir compléter la protection. Et l'avantage c'est que celui-là je peux le mettre, l'avoir avec moi en journée, et si par exemple on va manger en terrasse, puisque maintenant on peut manger en terrasse, et bien je me mets un petit coup de brume avant d'y aller pour protéger ma peau. Effectivement l'acné n'aime pas les rayons solaires, même si en fait en première intention on voit quand il y a du soleil que l'acné diminue, mais en fait ça fait, il y a un big effet rebond derrière. Enfin vous avez dû toutes et tous vivre ça au moment des vacances, hop on n'a plus d'acné et dès qu'on reprend à la rentrée on a une sortie de boutons pas possible. Donc protection solaire c'est super pour limiter les... C'est cet effet rebond de l'acné. Et puis de toute façon moi je porte depuis depuis mes deux grossesses en fait, pour éviter les le masque de grossesse, je m'étais mis à systématiquement utiliser de la protection, enfin des crèmes qui contiennent des protections pour éviter justement ça et à m'exposer le moins possible. Donc à côté je fais des cures de vitamine D, voilà. Bon, pourtant je suis dans le sud mais j'essaie de pas trop m'exposer, puis bon aussi pour tout ce qui est vieillissement cutané, voilà. Donc effectivement je reste pâle quasiment toute l'année, même si je prends quelques couleurs en été, mais c'est très limité. Et ensuite je suis allée faire un tour au magasin Stokomanie, ça s'appelle je crois. Ouais c'est ça, Stokomanie. Je connaissais pas trop ce magasin et bon en fait à la base j'y allais pas du tout pour ça, mais c'est qu'il se trouve dans la zone commerciale où il y a Jardiland, donc j'allais chez Jardiland. Et après il y a Maxizo, donc vu qu'il était sur le même, vous savez c'est les espèces, comment on appelle ça là, ces nouveaux modèles de centres commerciaux là où vous avez tous les magasins à côté les uns des autres dans une grosse zone commerciale. J'essaierai de vous noter là comment ça s'appelle parce que je m'en souviens plus. Et donc voilà, j'allais chez Maxizo et puis j'avais du temps à tuer, donc du coup j'ai fait presque tous les magasins. Et il y avait Stokomanie, donc j'ai fait un tour et j'ai trouvé quelques produits, donc notamment cette box de la marque, c'est Beautiful Box. Non, c'est Beautiful mais pas comme la Beautiful Box bio, là c'est la Beautiful comme Beautiful Beau, la traduction beau en anglais. Et c'est celle de Au Féminin. Donc j'ai pris celle-ci, on pouvait voir le contenu, alors sachant qu'il y avait quand même... on n'était pas forcément sûr d'avoir tous les produits qui étaient notés, puisque bon voilà, enfin les box on savait pas si c'était ça ou autre chose qui était dedans. Alors, moi j'ai essayé d'en prendre une lourde en me disant, puisque en fait ce que je voulais c'était avoir le micellaire de chez Garantia. Oui j'aime bien la marque Garantia comme vous avez pu le voir dans mon haul, dans mon unboxing de chez Blissin. Donc celle-ci c'est la jaune pour peau sensible à la fleur d'oranger. Donc cette box coûtait 9,90€ et ça c'est le format 100ml. Donc c'est déjà un bon format et en plus elle est rechargeable, alors ça je trouve ça très bien, ça évite d'avoir à racheter à chaque fois le packaging. Alors après vu le système d'ouverture j'ai peur que ce soit un peu fragile à ce niveau là et que ça finisse par casser, mais bon on verra bien.
Et donc dans cette box, il y avait 6 produits. Voilà, avec le step by step. Alors, il y a en format, je pense que c'est un full size, parce que c'est un grand modèle. En 100 ml, le sorbet d'ananas, karité ananas, mousse nettoyante et exfoliante, tout type de peau, de chez Karétik. Alors ça aussi, c'est une marque que j'avais connue dans d'autres box. Et j'aime bien le concept, donc c'est une exfoliation douce, puisque c'est les enzymes d'ananas qui vont un peu exfolier la peau. Voilà, ensuite, un fuite solaire de chez Polar. Donc pareil, toujours ma protection solaire. Donc c'est SPF 30, c'est déjà pas mal. On va dire que c'est pas utilisé pour le plein été, mais pour cette saison-là, c'est pas mal. Ensuite, il y a une espèce de gadget. C'est une brosse nettoyante avec une mousse à l'intérieur. Voilà, elle est comme ceci, petite brosse nettoyante. C'est, voilà, ça fait exfoliant. C'est un petit soleil en fait. Ah, un petit soleil ou un petit lion, je sais pas. Vous me direz dans les commentaires si d'après vous c'est un petit soleil ou un petit lion. J'aurais tendance à dire un petit lion, mais... Qu'est-ce qu'ils mettent? L'éponge en silicone. Voilà. Et donc, il y avait deux autres produits. Des papiers matifiants, sauf flamingo. Voilà, qui sont comme ceci. Donc ça peut toujours servir à mettre dans un sac à main quand on brille un peu. Hop, 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 ça permet de matifier. Et il y avait un fard, Dirtle Little Secret. Et la teinte, c'est... Est-ce que c'est marqué? Sur le papier. Ah, c'est NYE. Voilà la couleur. C'est un fard classique, un mat un peu métallique. Donc ça, je pense que je ne vais pas le garder. Je le mettrai dans un colis vintage en cadeau, je pense. Et donc voilà pour cette box. Et j'ai pris... Donc cette box, elle coûtait 9,99€. Alors je ne sais pas combien elles sont vendues normalement quand vous êtes abonné à la box. Mais je trouvais que bon, pour ce prix-là... Déjà, ce produit, je pense qu'on a clairement rentabilisé la box. Et ensuite, j'ai pris un eyeliner à 1,99€. C'est le de chez Maybelline, le Master Ink, longue tenue. Alors, ces liners-là, j'aime surtout beaucoup la pointe. Donc, quand je l'ai vu à ce prix-là, j'ai pas hésité. J'ai dit, oula, je sais, j'en ai pas mal des eyeliners, mais 1,99€ pour cet eyeliner là, j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup le pinceau qui est un peu comme celui qu'on avait sur les eyeliners Agnès B, qui malheureusement n'existe plus. Et pour finir, j'ai pris des cahiers. Donc, en fait, c'est des cahiers en 24-32. Donc, je trouve ça très pratique parce que l'avantage de ces cahiers là, c'est que quand on va en réunion, on peut facilement glisser les feuilles en A4 dedans. Elles vont pas dépasser du cahier puisque le cahier est plus grand. Donc voilà, et c'est des gants carreaux, donc ça j'aime bien aussi, ça me rappelle quand j'étais écolière. Après la couverture est un petit peu plastifiée, donc ça protège bien. Il y a 96 pages. Voilà pour le boulot, les réunions, les choses comme ça. Parce que là en ce moment j'ai des petits cahiers, mais pff, je trouve qu'on note rien, on les finit trop vite. L'avantage des grands, c'est que ça dure un petit peu plus longtemps. Voilà, j'attends plus aucune commande. Non, ah non, non, j'ai pas fini. J'ai passé comme Monochrome Beauty, je crois. Oui, c'est ça, Monochrome Beauty. Voilà. Je sais pas si vous verrez. Un grand merci pour votre confiance. C'est donc Charlotte de Monochrome Beauty. Et au dos, elle a marqué merci pour votre patience. En fait, quand il y a eu la masterclass de Danessa Mirix, si vous connaissez pas Danessa Mirix, c'est une maquilleuse professionnelle qui a beaucoup de talent et qui a des produits qui vend des produits. Des produits un peu spécifiques. Donc il y a les Twin Flames qui sont des liquides. Et shadow, donc des fards à paupières liquides. Et il y a d'autres produits en format liquide, aussi bien qui font aussi bien fards à paupières, qu'on peut les utiliser sur les lèvres, etc. C'est donc multi-usage. Et donc suite au masterclass, il y avait moins 20% sur le site de Monochrome Beauty. Alors comme c'est des produits qui ne sont pas donnés, et là j'espère qu'elle m'a mis la facture... Voilà, donc j'ai économisé 18€ et donc j'en ai eu pour 87€ quand même. Donc j'ai pris les foils liquid glitter lips cheek eye color, donc paillettes liquides lèvres joues couleur des yeux. Je vois pas pourquoi je m'embête à lire là en anglais alors que c'est marqué en français juste en dessous. Et donc ça c'est la teinte Vénus. Voilà le packaging. Et là, ce sont des petits...
Voilà. Je sais pas si vous verrez, c'est duochrome, c'est trop trop joli. Ça ressemble un peu au chromium de Natasha Denona. Hop, on swatchait un peu. Oh, c'est super, ça se travaille quand même beaucoup mieux que les glitches de chez Lethal. Il faudra que je vous fasse une vidéo comparative de tous mes fards liquides. Pour vous dire bah, lesquels sont bien, lesquels sont pas bien, sur lesquels on peut investir et sur lesquels on peut oublier. Et ensuite j'ai pris trois Twin Flames. En fait j'avais aussi pris un autre en teinte alien, mais il n'avait plus en stock. Donc elle m'a proposé soit le remboursement, soit l'envoi un peu plus tard. J'ai dit l'envoi un peu plus tard, de toute façon, vu que là, en fait, avec cet envoi, j'avais les frais de port offerts, je me suis dit, si elle te rembourse et qu'il faut le recommander, bah, tu n'auras plus les frais de port offerts et tu n'auras plus la promo, donc autant attendre. Désolée pour le bruit. Oh, je déteste, ça colle. C'est électrostatique. Alors, hop, celui-là, c'est la teinte Obsession. J'ai essayé de prendre des couleurs que je n'avais pas dans les autres gammes. Ah, c'est tout mignon, c'est hexagonal, comme ceci. Et voilà la couleur. C'est pas très très gros, je sais pas combien il y a de quantité de produit dedans. 2,5 ml, je pense que c'est la même quantité que les chromiums de Natasha Denona. Waouh! Ah ouais! Ah mais c'est trop beau! Je sais pas si vous verrez le reflet de ce truc quoi. Je suis abasourdie. Ensuite, j'ai pris le Crazy For You. Alors celui-là, il a l'air un peu plus topper. Il a l'air plus blanc. Et avec des reflets. Oh, les reflets sont trop beaux. Ouf. Mais c'est que ça envoie du pâté, ce truc. Regardez-moi ça. Regardez-moi la lumière de ce. C'est limite fluorescent, quoi. Mais j'hallucine! Oh là là! Mais là j'ai envie de tous les acheter quoi! Mince, si j'avais su, j'en aurais pris plus! Non, je vais être raisonnable. J'attendrai la prochaine promo. Peut-être qu'il y aura des promos Black Friday. Ça laisse en plus un peu de temps pour les utiliser. Non, il faut que j'attende. Il faut que j'utilise mes produits. Surtout ces machins là, ça finit par sécher. Et donc après, c'est le Young Love que j'ai pris. Qui est. Ouh, il a l'air moins. Moi, je m'attendais pas trop à ça comme couleur, je m'attendais à un truc un peu plus. Lui en fait c'est un duochrome dans les roses. Ouh, il met les deux ensemble et ça fait trop beau. Je sais pas si vous verrez. Les reflets de ces produits. Mais ils sont hallucinants quoi. Alors, les prix c'était avec la promo. En hors taxe, c'est à 19,83€. Donc je crois qu'en TTC c'était à 26€. Donc là c'est avec les moins 20%. Il sortait à 19,83€, ça faisait dans les 23€ ou 26. Ouais, ça faisait dans les 22-23€, ils étaient avec la promo. On les trouve également sur le site de Beautylish. Ils sont à 24$, mais avec entre le port plus les. Comment on appelle ça? Les frais de douane. Enfin, puisqu'on les paye au moment de passer commande, c'est pas intéressant quoi de commander, parce que là sur le site de Monochrome Beauty ils sont à 26 et je crois qu'on peut avoir la livraison gratuite. Je sais plus à partir de quel montant c'est. Ça c'est noté sur la facture. Là c'est marqué livraison gratuite. Voilà. Alors franchement mais là je suis estomaquée, ils sont mais magnifiques. Après avoir à l'utilisation comment ça va être, parce que bon j'ai après ma déception avec les glitches, voilà j'essaie de pas trop. Déjà le rendu là sur la main ils sont magnifiques, à voir après au rendu sur la paupière, mais voilà je vais tester tout ça et je vous donnerai mon avis sur ces produits. Pour continuer sur ce haul de juin, j'ai profité des fameuses promos côté Leclerc. Je vous montre ce que j'ai pris. Alors, j'ai pas acheté beaucoup de make-up, puisque le seul produit make-up que j'ai acheté, c'est celui-là, c'est de Maybelline, le Lash Sensational Intense Black, voilà, qui était à 3,99€. Au départ, je voulais le Lash Paradise de chez L'Oréal, mais je ne l'ai pas trouvé dans mon Leclerc, donc j'ai dit bon, tant pis, et celui-ci était à 3,99€, je dis bon, allez, on va tenter.
globalement, j'ai plutôt un bon a priori sur les mascaras. Je mets Maybelline. Donc, je voulais tester. J'ai également profité pour reprendre mon gel nettoyant pamplemousse de chez Neutrogena. Ils ont changé le packaging, parce que moi il datait un peu, pour les peaux à imperfection. Donc celui-là j'aime bien, j'aime beaucoup l'odeur. Et je crois qu'il était... Alors attendez, j'ai les prix. J'ai mon ticket. Il était à 3,65 et il y avait 1,46 dessus. Ça le faisait à 2,10€ ou un truc dans ces eaux-là. Et ensuite, j'ai pris un lot de déodorant Narta, donc voilà, j'étais plutôt raisonnable. J'ai également acheté du dentifrice, des serviettes hygiéniques, mais bon, je me suis dit, je vais pas vous le présenter là. Mais c'est vrai que ça valait drôlement le coup, puisque pour les dentifrices, enfin j'ai acheté surtout des dentifrices pour les enfants, et des serviettes hygiéniques pour moi. En gros, je crois que j'en avais pour 42€ au total, puisque j'avais quasiment que des produits de beauté dans mon panier. Et après réduction, j'en ai eu pour 24€, je crois. Enfin, en gros, j'ai eu 18€ de réduction grâce aux promos Leclerc. Donc, voilà, la plupart des produits, soit ils étaient à acheter en offert, soit ils étaient à moins 40%. Donc, c'était de bonnes affaires. J'en ai profité pour faire un petit peu le stock. Concernant ensuite, j'ai fait une commande chez Sephora. Puisqu'il y avait moins 25% chez Too Faced. Alors cette palette là, je m'étais dit je la prendrai quand ce sera les journées gold. Et quand j'ai vu qu'il y avait moins 25% sur la marque Too Faced, je me suis dit bon, autant la prendre maintenant. Ça permettra de voir un peu ce qu'elle vaut. Alors elle est toute petite. Voilà, si vous voyez, la taille. Je la mets à échelle par rapport à ma tête. J'ai pas d'autres palettes. Ah si, j'ai la Uoma. Donc vous voyez, elle est vraiment... vraiment petite, parce que déjà la Uoma est pas très très grande, mais là elle est vraiment, c'est vraiment une petite palette, mais du coup il y a quand même pas mal de fards pour la taille. Et elle sent, elle a une odeur sucrée, c'est pas la même odeur que les autres palettes de chez Too Faced. Voilà, c'est la fameuse Teddy Bear. Je suis contente de l'avoir pris. J'hésitais à la prendre et puis bon, je me suis dit bon, elle est jolie, tu pourras toujours t'en servir. Et au pire, si tu t'en sers pas, tu pourras toujours l'offrir à quelqu'un. Je pense que comme c'est des couleurs quand même qui sont relativement neutres, ce sera plus facile à trouver à qui l'offrir une palette très colorée. Mais voilà, j'ai surtout craqué pour le packaging, mais ça reste un truc. Et vu que je suis gold, j'ai eu les frais de port offerts. J'en ai eu pour 33€ sur la palette. Et j'ai eu un échantillon. Moi maintenant Sephora il limite le nombre d'échantillons. Je pouvais pas en sélectionner, je crois que je pouvais en sélectionner deux. Voilà. Et en fait je crois que j'ai sélectionné deux échantillons et j'en ai eu deux que j'avais pas sélectionné. Bon, c'est pas bien grave. Donc j'ai eu le parfum Very Good Girl et le sérum de chez Nuxe. Voilà. Mais avant on pouvait sélectionner trois échantillons et maintenant même sur le site il limite en nombre d'échantillons. Donc peut-être que c'est fonction des montants. Mais bon, ce serait bien que ce soit aussi dans les deux sens, c'est-à-dire que plus votre montant est important, plus vous pouvez avoir d'échantillons, ou ce serait bien aussi ce qu'ils pourraient mettre en place, que à partir d'un certain montant, au lieu d'avoir des échantillons, vous avez des miniatures. Ce qui permettrait pour les gens qui font des grosses commandes d'être un peu plus intéressant. Après moi maintenant, chez Sephora, maintenant que je suis gold, j'essaie vraiment de limiter mes achats aux journées gold, pour avoir plus de points, tout simplement, parce qu'on double les points lors des journées gold. Et voilà, de toute façon j'achète qu'en promo chez Sephora. Donc j'espère que cette vidéo haul vous a plu. J'ai été, je trouve, un peu plus raisonnable que les mois précédents. Il faudra que je reste sur cette ligne directrice de ne pas acheter trop de produits. Ou des produits un peu plus qualitatifs. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me mettre un pouce vers le haut ou à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao !